Salut les voyageurs, nous nous retrouvons sur une playlist qui s'appelle « C'est notre choix, parlons-en ». Ce n'est volontairement pas un tuto. Il y a déjà un épisode qui concernait notre hivernage que tu peux retrouver ici, c'est d'ailleurs très d'actualité. L'idée ici, c'est pas de faire un tuto parce qu'un tuto, c'est plutôt... C'est exactement comme ça qu'il faudrait faire pour que ça se passe bien. Là, c'est plutôt nous, on s'y prend comme ça. A priori, ça nous suffit, mais bien entendu, si tu as des bonnes idées, des rajouts à nous proposer par rapport à notre mode de fonctionnement en camping-car, eh bien finalement, pourquoi pas, tu es le bienvenu. L'ensemble des thèmes qui vont être abordés dans cet épisode seront repris dans la description avec un certain nombre de liens utiles. Alors là, la sécurité, c'est un thème qui est extrêmement vaste. Certains se sentiront à l'aise avec des verrous dans tous les coins, certains se sentiront à l'aise avec une alarme volumétrique. Pour d'autres, ça sera certainement intéressant d'avoir un énorme chien dans le camping-car pour les protéger. Comme tu vas le voir, pour nous, on a un certain nombre d'éléments qui nous rassurent, sécurité. Et puis, c'est avec ça qu'on vit mieux nos voyages. Cet épisode va être divisé en deux parties. La partie quand on roule et la partie quand on est à l'arrêt. Alors quand on roule, mis à part le fait de respecter au mieux le code de la route, notamment par exemple comment s'y prendre pour négocier des gros giratoires ou des petits giratoires avec un camping-car, ce qui a fait l'objet d'un épisode ici, nous avons identifié 6 thèmes qu'il nous paraît ici important d'aborder. Mis à part le fait d'aborder la problématique des pneus en conditions normales, c'est-à-dire correctement gonflés et en bon état, évidemment on ne roule pas avec des pneus lisses, il semble très important, et particulièrement en cette saison, d'aborder la problématique des conditions hivernales. En France, mais cette recommandation est par ailleurs très utile dans l'ensemble des pays, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi Montagne. Et cette loi Montagne indique un certain nombre d'obligations entre le 1er novembre et le 31 mars. Ces obligations concernent un certain nombre de départements dans lesquels, pour pouvoir rouler sans se prendre d'amende, c'est quand même aussi le but, mis à part la sécurité, il y a deux éléments possibles. Le premier, c'est soit tu transportes quelque part dans ta soute des chaussettes ou des chaînes adaptées à tes pneumatiques, et à partir de là, finalement, peu importe les pneumatiques, quoi que ce soit quand même risqué, si les conditions sont un petit peu délicates et que la route devient glissante, on n'est pas toujours en train de mettre des chaussettes et des chaînes. Ou alors, l'autre possibilité, ça va être de rouler avec des pneumatiques qui soient estampillées de deux manières. Donc, l'apparition des lettres MS, M plus S, M divisé par S, mais surtout d'un logo extrêmement important qui représente un flocon au milieu d'une montagne à 3 pics. Pour le moment, et encore pendant 3 années, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2024, si tu utilises des pneus où il n'y a pas le flocon, mais qu'il y a le MS, qui veut dire mud et snow, donc boue et neige, ça pourrait suffire. À partir de novembre 2024, il faudra absolument que le pneumatique utilise et présente ce logo avec l'étoile de neige au milieu de la montagne. Bien entendu, ça, toujours possible de rouler avec des pneumatiques dits été et d'avoir des chaînes, mais si tu veux commencer à avoir des pneumatiques typés hiver ou 4 saisons, en 2024, il faudra absolument ce logo sur le flanc des pneus. Clairement, l'avantage des pneus 4 saisons, c'est typiquement de ne pas avoir à changer de pneus 2 fois dans l'année, une fois pour passer en pneus d'été, une fois pour passer en pneus d'hiver. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, l'idéal au niveau des conditions de roulage, c'est quand même d'avoir des pneus d'été pour l'été et des véritables pneus d'hiver pour l'hiver. Mais on va dire qu'à la limite, des pneus 4 saisons suffisent. Nous, pour l'instant, on est monté, comme beaucoup de camping-caristes, en pneus d'été. Donc, on va faire le choix d'embarquer quelque part des chaînes dans la soute. Mais quand on changera les pneumatiques, on passera très probablement à des pneus 4 saisons, ce qui ne nous empêchera pas quand même d'avoir des chaînes pour les conditions si elles devenaient véritablement difficiles.
on penserait probablement à s'équiper avec des véritables pneus d'hiver si on commençait à faire du camping à la montagne pour par exemple aller au ski, mais ce n'est pas du tout dans nos intentions au départ. Donc a priori au remplacement des pneus, on partira sur du 4 saisons avec ce fameux logo typiquement de l'étoile de neige et ça remplacera avantageusement les pneus d'été. Avant même cette problématique de loi montagne qui rappelle que les chaînes sont extrêmement importantes quand les conditions deviennent très difficiles et glissantes, quelques abonnés nous avaient déjà vivement conseillé d'avoir des chaînes typiquement pour les problématiques d'enlisement. Vous l'avez peut-être vécu, on se met à glisser extrêmement vite avec un camping-car sur un terrain gras et à ce moment-là, c'est pas du tout la peine d'attendre d'être totalement embourbé, totalement enlisé, hein, parce que forcément le véhicule va se mettre à descendre, à creuser et va finir par se poser et poser directement le châssis sur le terrain, souvent de l'herbe ou de la boue. Alors plutôt que d'en arriver là, c'est quand même très intéressant d'être capable de poser rapidement des chaînes. Les plaques de désensablement ont l'air d'avoir une efficacité toute relative. Donc s'il n'y a personne pour vous tracter légèrement, vous sortir du faux pas, eh bien ça peut être intéressant de mettre les chaînes. Alors là aussi typiquement, entraînez-vous une fois dans des conditions normales, genre sur un parking, pour savoir comment mettre les chaînes. Parce qu'il n'y a pas pire d'être dans une situation de galère et de commencer à sortir le mode d'emploi parce qu'on n'a jamais de sa vie mis des chaînes sur des pneus. Un point qui est très important aussi, c'est de ne pas prendre des chaînes pour véhicules légers. Donc ne prends pas des chaînes pour voiture. Donc si, à moins d'être équipé, par exemple avec un van, genre un VV, mais sinon, faut prendre des chaînes qui soient renforcées. Donc elles sont identifiées, ce sont des chaînes qui sont indiquées pour 4x4, SUV ou utilitaires et qui ont des maillons qui sont renforcés. Alors heureusement, dans la plupart des cas, on arrive à se faire très légèrement tracter pour éviter d'avoir par exemple à mettre des chaînes. Ça, on en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Voilà un thème auquel je ne pensais pas du tout il y a encore quelques mois et c'est un thème qui a été mis en avant par un abonné de l'automne dont le prénom est Mirko. C'est l'utilité d'avoir dans son pare-soleil ce qu'on appelle des fiches de secours. Fiches de secours, on l'appelle aussi fiches de désincarcération. Tu imagines bien que quand on en est là, c'est un moment qui est très compliqué, on ne fait pas du camping-car pour avoir un accident. Néanmoins, à partir du moment où on a eu un accident et qu'on n'arrive pas à sortir de manière autonome de son véhicule, si les pompiers doivent intervenir, la première chose qu'ils font dans bien des pays d'Europe, c'est de vérifier s'il existe une fiche de secours placée au niveau du pare-soleil. Cette fiche de secours existe pour quasiment tous les véhicules, existe notamment aussi pour les vans, ce qui peut être très pratique, et malheureusement n'existe pas pour, on va dire, l'intégralité des camping-cars, mais par contre existe pour les porteurs du cateau. Donc ça va pouvoir indiquer un certain nombre d'endroits où, par exemple, il serait risqué de découper de la tôle lors de l'intervention de pompiers. Ça ne t'empêchera pas peut-être de compléter le plan avec l'emplacement de là ou des batteries supplémentaires, voire par exemple d'un jerrycan qui se trouverait dans le véhicule pour faciliter l'accès des pompiers. Justement, en parlant de jerrycan, comme tu le sais, nous on se déplace régulièrement avec une moto, et puis c'est pas une question de sécurité, mais c'est une question de se rassurer. Pour moi, c'était relativement simple de savoir que je pouvais refaire le plein de cette moto lors de nos déplacements. On a donc acquis un jerrycan avec toutes les normes possibles, extrêmement étanches, que pour l'instant, nous rangeons dans la soute. Alors, après avoir fait pas mal de recherches sur Internet, je ne suis pas tombé sur des éléments qui me permettent de savoir si véritablement on a le droit ou on n'a pas le droit du tout, ou il vaudrait peut-être mieux le stocker sur la remorque que dans la soute. Donc pour l'instant, on se déplace avec un jerrycan de 20 litres de sans plomb pour pouvoir refaire le plein de la moto régulièrement. C'est, je pense, un petit élément d'insécurité, mais qu'est-ce que c'est pratique. On en a parlé tout à l'heure, la possibilité d'être remorqué, ça peut permettre de sortir d'un sacré mauvais pas et peut-être de ne pas avoir utilisé ni de chaîne, ni de plaque de désensablement. Alors, vu qu'on est équipé d'une remorque, on a un crochet d'attelage, donc on pourrait tout à fait accrocher un dispositif de remorquage dessus. Et sinon, pour l'avant notamment, mais c'est vrai aussi à l'arrière, il y a toujours la possibilité de visser un anneau qui vous est fourni par le constructeur.
anneau pour lequel il est vivement conseillé, comme pour le montage des chaînes, de s'être entraîné une fois à l'avance, parce que dans le moment et la difficulté, c'est un petit peu compliqué de se rappeler et de savoir comment faire fonctionner et comment visser ce type d'anneau. Après, au niveau de la sangle qui va venir entre les différents points d'accroche, ben nous on a toujours cette sangle qui est faite en sorte de nylon, qui est légèrement extensible avec deux gros anneaux au bout pour pouvoir facilement venir s'accrocher. Bon, il nous faut maintenant aborder ce thème qui fait rage sur les forums. On peut dire rage parce qu'il y va de la sécurité des données, du droit à l'image, etc. On va parler des dashcams. Alors la dashcam, c'est une caméra qui, quelque part, filme à l'avant et ou à l'arrière du véhicule tout ce qui se passe. Pour nous, bien que je parle de cette dashcam dans le cadre de ce tuto de sécurité, la dashcam qu'on va faire monter, elle est maintenant choisie, elle est pour le sapin de Noël, puisqu'on arrive bientôt en décembre. Eh bien, c'est une dashcam qui permet de filmer à 140 degrés vers l'avant du véhicule, qui est en haute résolution, qui possède un filtre polarisant que l'on peut tourner pour pouvoir capter des images sans reflet. Et moi, je vois surtout ceci comme avantageux pour rajouter encore une collection d'images quand on tourne des épisodes. Voilà pourquoi, pour moi, cette dashcam sera super intéressante à mesure qu'on se balade. Avec une carte mémoire de 128 gigas, on va pouvoir comme ça enregistrer globalement 15 à 16 heures de vidéo en haute résolution. Il faut savoir que ces 15 à 16 heures sont tranchées par petits morceaux de 3 ou 5 minutes qui s'enchaînent les uns après les autres. Et au bout de 15 à 16 heures, la caméra commence à effacer les plus anciens morceaux d'enregistrement. Donc ça, ce sera tout bénéfice pour la chaîne au niveau des images. Bien entendu, cette caméra va filmer tout ce qui se passe à l'avant, et si par... Je ne vais pas dire par hasard, parce qu'on constate à chacun de nos déplacements, s'il y a des comportements totalement inconscients qui se présentent devant nous, et que ça devait mener quelque part à un accident, eh bien, on se permettra de proposer quand même à la police qui viendrait sur place, même si on n'avait pas été nous directement impliqués dans l'accident, de leur faire visionner ce que l'on vient de voir. Parce que franchement, quand on conduit un camping-car, y compris à des vitesses normales, on va dire 84-85 sur une route à 80 en France, on est parfois dépassé, notamment dans des conditions complètement rocambolesques, avec des lignes blanches, avec des refus de priorité, avec des comportements étonnants. Pas grave si ça finit pas par un accident, mais si ça devait finir comme ça, y compris un accident qui ne nous implique pas, je proposerai à ce moment-là directement les images qui ont été captées aux forces de l'ordre. Elles en feront ce qu'elles veulent, ça c'est pas du tout un problème pour moi, mais encore une fois, le premier avantage, c'est de sortir des belles images quand on sera sur les différentes routes pour la chaîne. Une fois la route effectuée sans encombre, en toute sécurité, bien entendu, il faut se poser quelque part. Et puis là aussi, on aime avoir notre sentiment de sécurité. Alors comme tu l'as vu probablement sur la chaîne, 90% de nos arrêts se font sur des endroits qui sont sécurisés. Donc camping, France Passion, aire payante, mais il reste néanmoins un tout petit pourcentage où on doit s'arrêter au milieu de nulle part. Donc les thèmes qui vont être abordés ici concernent ce type de sécurité-là et comment est-ce que nous on se sent bien dans ce type d'arrêt. Alors le premier thème qui est une sécurité si on veut, c'est que j'ai été très surpris que quand on se fait livrer un Fiat Ducato neuf, on a beau verrouiller les portes, et bien quelque part on peut quand même ouvrir la trappe du réservoir, et quand on ouvre la trappe du réservoir, et bien seul le bouchon qui permet l'accès au diesel est verrouillé. Par ailleurs, il y a tout à fait moyen d'ouvrir le réservoir d'AdBlue et finalement d'y mettre ce que l'on veut. Alors pour éviter peut-être une incivilité, c'est pas tellement le fait de se faire piquer de l'AdBlue, ça coûte pas bien cher, mais pour éviter une incivilité et trouver autre chose que de l'AdBlue peut-être dans le réservoir, eh bien on a acquis ce dispositif qui est en fait une plaque en métal. Cette plaque en métal se place finalement derrière le verrou du diesel et finit par bloquer complètement le petit bouchon
pour verser l'AdBlue. Alors, on est bien d'accord que si vraiment malveillance il doit y avoir et il y a un souhait, il y a toujours moyen de forcer ce type de dispositif. Mais ici, on en parlera un peu plus tard, l'idée c'est de se dire, si malveillance il doit y avoir et que c'est par opportunisme et que ça doit prendre du temps sur ton propre camping-car, ben, les personnes iront voir ailleurs ce qui se passe et tenteront de faire l'incivilité ailleurs. C'est ça l'intérêt de ce type de dispositif. Ah, voilà encore un autre thème qui fait rage au niveau des forums de camping-caris, c'est le blocage ou pas des portières avant. Alors, il y a même des dispositifs, j'ai vu, avec des barres en métal, avec un verrou. Là, par contre, pour moi, ça devient un petit peu compliqué si on a envie de sortir en toute urgence, de commencer à retrouver la clé, de tourner dans le verrou. Mais en fait, l'idée ici, pour nous, c'est de pouvoir bloquer simplement, à l'aide d'une simple sangle, que l'on peut tendre entre les portières d'un profilé du cateau, puisqu'il y a des évidements dans les portières, pas besoin de le serrer extrêmement fort, et puis ça permet d'empêcher complètement l'accès par les portes avant. Alors oui, on lit dans les forums, mais que se passe-t-il en cas d'urgence? Si vraiment c'est ça l'absolue urgence, On peut toujours laisser à ce moment-là des ciseaux, si on le souhaitait, poser sur les sièges avant du camping-car. S'il y a urgence, on doit aussi pouvoir souvent sortir par la porte principale, normalement, du camping-car. C'est un dispositif que je mets en place uniquement quand on est absolument au milieu de nulle part. Mis à part ce dispositif, on n'a pas mis en place sur notre camping-car de verrouillage supplémentaire pour les portes ou d'autres systèmes alarmes. Moi, je pars du principe que si quelqu'un veut vraiment visiter ton camping-car et que c'est un souhait, c'est pas une question d'opportunisme, de toute façon, il va y arriver. Donc pour la maison, c'est la même chose. Donc à partir de là, on peut mettre tous les systèmes en place, mais c'est pas notre crainte première. Donc à part ce cas de portière, parce que c'est facile à mettre en place et que je trouve c'est sécurisant dans des endroits où il n'y a absolument personne, on n'a pas d'autres systèmes prévus. Voilà encore un élément de sécurité, mais plus ou moins inattendu. En fait, on parle ici du remplissage des eaux claires. En général, on a un trou béant dans lequel on essaye de faire tenir un tuyau comme on peut. Et puis à l'autre bout, il y a quelqu'un qui appuie peut-être parfois plusieurs fois sur un bouton pour délivrer de l'eau claire. Si c'est la même personne, difficile de tenir le tuyau, d'appuyer en même temps sur le bouton. D'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois qu'on avait fait le remplissage sur le camping-car, j'avais laissé un embout comme dans les jardins qu'on peut visser, dévisser. Et puis en fait, l'embout, en retirant le tuyau, il était resté coincé quelque part dans l'admission d'eau. Donc tout ça pour dire qu'il y a plus simple. Et merci à Guy, un abonné de la première heure, pour le tuyau, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un bouchon qui vient s'adapter exactement à l'entrée des eaux claires, sur lequel existe un système automatique de blocage, comme des systèmes d'eau pour le jardinage. Et puis, il intègre aussi une possibilité de refoulement. Si ton camping-car n'est pas équipé de la possibilité de refouler ailleurs qu'à l'endroit de l'orifice du remplissage, et puis à ce moment-là, c'est extrêmement pratique parce que tu peux aller à l'autre bout, tu peux presser sur l'admission d'eau et jamais il y a le tuyau qui tombe sur des aires de service qui parfois sont très crades. Ce serait quand même embêtant que le tuyau des eaux claires tombe au milieu des eaux souillées. Alors voilà un autre point qui me semble être une évidence pour éviter les voleurs opportunistes. Le voleur opportuniste, c'est celui qui passe. Il a le choix entre quelques camping-cars et 5 camping-cars dans la pénombre. Il y en a 4 dans lesquels j'ai l'impression qu'il y a une activité, qu'il y a quelqu'un ou ne serait-ce qu'il y a de la lumière. Je vais plutôt m'intéresser à celui qui est complètement éteint. Et alors non seulement éteint, mais en plus où je vois qu'il n'y a absolument personne, en essayant d'observer un petit peu au travers des rideaux et des stores qui sont tirés. Avoir un peu de lumière dans un camping-car, ça peut même pas du tout tirer sur la batterie. On fait des lampes rechargeables qui tiennent plusieurs heures et qui permettent de laisser de la lumière quelque part. Encore une fois, et j'en suis conscient, la personne qui veut vraiment rentrer dans ton camping-car parce qu'elle l'a observé, elle sait que peut-être il y a des choses intéressantes à y piquer. Ça va pas l'empêcher de toquer, de vérifier s'il y a quelqu'un et puis à ce moment-là, de s'y introduire. Moi, je parle ici uniquement d'éviter l'opportunisme absolu qui, la plupart des cas, l'occasion fait le larron, comme on dit. Parlons encore un peu d'un autre sujet qui aussi fait grand bruit sur les réseaux. Parlons gaz. Alors, le détecteur de gaz, dans certains cas, peut être utile, pas utile.
À voir. Moi, je pense que c'est intéressant, en tout cas, d'en avoir un qui fonctionne sur du 12 volts, qui est capable au minimum de capter une fuite de gaz normale, le gaz que nous utilisons, par exemple, pour faire de la cuisson. S'il peut éviter les gaz soporifiques qui endorment, pourquoi pas? Vous avez tous certainement entendu parler de ces problématiques de camping-caristes qui se font gazer et qui, dans un sommeil absolu, se font complètement dévaliser. Ça touche aussi les animaux. D'ailleurs, dans ce cas-là, un bon chien de garde, ça, apparemment, ça ferait le même effet. Apparemment, il faut tenir compte de ce genre de récit. Alors, tant mieux si le système détecte aussi ces types de gaz. Pour nous, l'idée, ça sera d'avoir un modèle 12 volts qu'on branche à ce moment-là uniquement la nuit. Si je reviens d'ailleurs un petit peu sur les problèmes de gens qui se font gazer souvent dans leur sommeil, j'ai entendu uniquement des récits qui se font notamment sur des aires d'autoroute à partir du sud de la France et plus globalement sur le sud de l'Europe. Alors ça confirme un élément que tout le monde dit et répète, c'est de ne pas rester passer une nuit sur des aires d'autoroute, même au milieu des camions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux aussi se font voler des pièces, hein, notamment des morceaux entiers, par exemple, de pare-choc. Donc, ce n'est pas du tout l'assurance. Et ils vont en général toujours mieux sortir, aller essayer de se placer quelque part dans un village aux alentours. On y sera toujours plus en sécurité que sur l'aire d'autoroute. En fait, au début de l'écriture du petit scénario de cet épisode, ce n'est pas du tout au détecteur de gaz... gaz de cuisson ou gaz somnifère que je pensais, mais c'est plutôt à ce type de gaz que tu vois maintenant. Quand on est à l'arrêt au milieu de nulle part, je suis assez rassuré quand dans la partie nuit du camping-car, j'ai une petite bombe de ce type de gaz. Alors je sais, encore une fois, je sais, ça passe souvent sur les forums, que c'est formellement interdit dans certains pays. Qu'on peut prendre une grande amende, tout à fait d'accord, mais c'est quand même sacrément rassurant. Cette fois-ci, on ne parle pas de gaz à détecter, mais de gaz plutôt irritant en cas de problème. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, comme on l'a dit au départ, n'est pas un tuto, mais plutôt notre façon de nous y prendre. J'espère que ce moment de partage t'aura donné quelques indications. Très volontiers aussi si tu as des éléments supplémentaires à nous apporter par rapport au type finalement d'étapes que nous avons, c'est-à-dire camping-car et en général dans des lieux plutôt sécurisés. Merci par avance si tu découvres cette chaîne avec des contenus structurés pour ton abonnement, pour ton pouce bleu et à bientôt.